40, 15-40, elle l'a perdu celui-là, et de nouveau 15-40. Monica Céleste qui elle procède beaucoup plus avec des angles. Et ça aussi c'est un beau de souffler. Et elle est bonne. Eh bien, ouais. Elle avait pas ma jolie ou ma jolie l'américaine, c'est Mayolé. Je vais premièrement, je me donne grâce. Et c'est sans doute une grosse déception pour elle que d'abandonner ainsi cette première manche. En ayant l'impression de dominer, parce qu'elle a donné l'impression de dominer Steffi Graf tout le long. C'est Mademoiselle Graf. Et c'est aussi la grande force de l'expérience. À mon sens, pourrait être une des clés du match pour tenir la balle très basse. Et ses victoires, son niveau de jeu. Néanmoins, elle a bien négocié ses deux balles qui la mettaient en danger. Et là, elle s'est bien jetée dans ce coup droit également. Contre et double, et pourrait être fatale. Superbe attaque dans l'ouverture. Et formidable deuxième balle. Elle a bien temporisé là, avec des balles hautes qui lui ont permis de se replacer. Le coup droit gagnant 0-40. Elle est faute. Non, regardez le juge de ligne. Oh. Thank you.
est bonne. Ah. Bonne balle. Non, non, la balle était bonne. Et ça a fâcheusement perturbé Mademoiselle Mayeli. Superbe retour de coup droit, in extremis et un contre-pied de revers. Ici une accélération pleine ligne. Pas assez de joueurs et de joueuses osent. Et on avait déjà vu ce coup tout à l'heure. Et encore un contre-pied. Les trois points qui auront fait la différence dans ce set et la différence dans ce match. C'était match, Mademoiselle Graf. Bon, sans s'être fait très peur dans ce tour, félicitant celle qui deviendra avant quelques mois, c'est une affaire de semaine. Mademoiselle Graf, 2 manches à 0, 6-4, 7-6. Elle fera très vite partie des 10 meilleurs. Elle l'a déjà prouvé en battant 2 têtes de série en quelques semaines. Ici, son match contre Steffi Graf a tenu à quelques points perdus.